please. Please, can you take your seats? We can start. If we're not photographed, we don't exist, do we? Okay, thank you. Okay. God, at least it's cooler here. Look at Rock. Why is it Rock? Thank you. So, before we start, I want to say hello to a lot of people who are here. Je voudrais saluer plusieurs personnes qui sont ici au premier rang dans la salle et qui ont joué un rôle clé dans le film. Alessandra Do Savio, Riorica Lo Salvio de Alacrán Film, Riorica de Alacrán Film, Amy Gillian. Gerardo Herrero de Tournesol Film. Grégoire Melin de Kinology. Sébastien Deloy de Entre Chien et Loup. Pandora Kuna Teles de Oubar Film. Et Pablo Iraola, pardonnez-moi, de Oubar Films also. Alors. As we can see, there are a lot of comme vous le voyez, il y a de nombreuses personnes face à vous pour soutenir Thierry Gilliam, le producteur Bayela Bisovsky. Then we have a screenwriter, Tony Grisoni. Le scénariste Tony Grisoni. Then we have Rossi de Palma, the actress. Actrice merveilleuse. Sergi Lopez. Jordi Mola. Olga Kurylenko. Adam Driver. And then, here with me, we have Oscar Jainada. That's him. Stellan Skarsgård. Don Quixote and Sam Laurie, Jonathan Price. And the one and only Terry Gilliam. Et l'unique Terry Gilliam. She's the best. She's the best. La meilleure que j'ai oubliée. I apologize. Joanna Ribeiro, désolé de vous avoir oublié. I apologize. That was probably the shortest career of any actor. C'était probablement la plus brève carrière de tout acteur. Donc, que ressentez-vous d'être ici? Que ressentez-vous d'être ici, à être ici? It's the medical condition has been solved. Cured. And here we are. Eh bien, nous sommes ici. Cela fait à peu près trois semaines qu'on a réalisé ce film. Ça a été très rapide et on peut le montrer ici parce qu'aujourd'hui, on peut travailler très rapidement. Un film, ça peut être fait très vite et ça ne coûte presque rien. And a quick question to all your actors, starting with Joanna. Une question rapide pour tous vos acteurs, en commençant avec Joanna. Comment c'était de travailler avec Terry Gilliam? C'était incroyable parce que Terry nous a véritablement donné la possibilité de faire partie du script dans le sens où nous avons pu participer nous aussi à tout le processus créatif. C'était donc incroyable. C'est incroyable d'être ici avec tout le monde à mes côtés. Jonathan Price, est-ce que vous avez été heureux de travailler avec Terry Gilliam? Oui, je suis très heureux de travailler, tout court, à mon âge avancé. Cela fait déjà maintenant longtemps, depuis Brésil, depuis les frères Grimm, que nous travaillons ensemble.
Et enfin, est-ce que vous voulez encore travailler avec Terry Gilliam? J'aurais répondu volontiers non. Non, je travaillerai dans n'importe quelle condition avec lui. Terry met toujours beaucoup d'obstacles. Et il a attendu que je prenne de l'âge. C'était une excellente expérience. J'ai attendu qu'il prenne de l'âge pour avoir les sourcils épais et une barbe. C'est pour cela qu'il a eu le job. Une question? Question du Brésil, ici. Félicitations pour un tel chef-d'œuvre. C'est un film merveilleux. Merci à tous. Vous parlez de Brésil, du film Brésil. Non, non, moi je viens du Brésil. Je parle de Don Quichotte. Ce film-ci, vous dites qu'il est bon? C'est un chef-d'œuvre. Oh, ben, j'en suis très heureux. So Terry, what's the importance of Cervantes' words for you? Après tous ces efforts héroïques, on retrouve des citations de Cervantes dans votre film. Est-ce que Don Quichotte est toujours un héros pour vous? Non, ça a plutôt été un personnage douloureux pendant toute cette période. Et maintenant, il est en dehors du système. C'est ça qui compte. Don Quichotte et Sanchez ont été des grands icônes qui n'ont jamais été révélé, ça, il représente le rêve des gens et la réalité de la vie. Comment ne pas réaliser un film sur Don Quichotte? Cervantes a été tellement brillant, tellement drôle. Il a traité de la société, il a traité de tout. Et enfin, on a réussi à mettre un peu de cela dans un film. Je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est terminé. Mais personne ne m'a demandé si c'était facile pour moi de travailler avec Terry Gilliam. Je vous ai rencontré ainsi que d'autres invités au Portugal, au monastère de Tomar. Qu'avez-vous pensé de tourner au Portugal, mais notamment à cet endroit-là? C'était une bonne expérience, mais c'est parce qu'on m'a forcé de travailler avec certains acteurs portugais. Et on en a trouvé. Si j'avais cherché ailleurs. Non, c'était excellent. On a trouvé Joanna, on a trouvé ce monastère qui est un endroit extraordinaire, un bâtiment merveilleux. Et en fait, avec l'argent des chevaliers qui ont quitté la France, qui ont été expulsés de France, ça a servi à construire ce monastère, ce temple au Portugal. Donc, merci à la France. On y a fait certaines scènes très difficiles, notamment lorsqu'on a la scène où on a brûlé ce personnage. Et donc, ça a été 350 acteurs, beaucoup d'effets spéciaux, et la nature a décidé de nous envoyer la pluie. Mais je pense que la nature peut avoir beaucoup d'humour. Hi Terry, I'm Charlotte. Bonjour Terry, je suis là. Je n'y vois plus rien là, dans la salle. Félicitations pour votre film. Ma question est la suivante. Comment avez-vous procédé pour le casting? Et notamment, pourquoi avez-vous choisi Jonathan et Adam? Eh bien, ils ne coûtaient pas cher, c'est tout. Non. Je n'ai pas pu éviter Jonathan Pryce parce qu'il sait où j'habite. Et bizarrement,
en travaillant avec Mike Palin. Il y avait aussi le personnage de Jonathan. Il était phénoménal et je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Et puis bon, Mike avait autre chose et donc moi je me suis retrouvé coincé avec Jonathan Pryce. Adam, il ne m'a pas demandé beaucoup d'argent, il était disponible, il travaillait à Londres. On s'est rencontré avec Amy, ma fille. Et je ne sais pas comment, mais c'est Amy qui a organisé cette rencontre. On s'est retrouvé à Hampstead, dans un petit pub. Et ce gars-là ne ressemblait absolument pas à ce que j'imaginais pour le personnage. Et d'un seul coup, j'ai quand même eu la sensation que j'avais trouvé le bon acteur pour ce personnage. Je ne savais pas s'il était bon, d'ailleurs, à l'époque. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver les acteurs qui convenaient. Et je crois à cela, là je ne plaisante pas. Tout le monde, ici, parmi les acteurs, correspond au personnage qu'il fallait. On a eu beaucoup de problèmes au niveau du tournage. Je ne savais pas très bien toujours ce que je faisais, mais au moins on avait des acteurs excellents qui m'ont sauvé la vie. Bonjour, Marcel, je viens de Geekpool en Allemagne. Tout d'abord, vos films sont toujours remarquables, mais un peu fous. Non, ils sont réalistes, ils parlent du monde réel, pas du monde que vous voyez au cinéma. Non, mes films traitent du monde réel. Bon, ma question, je voudrais la poser à Adam Driver. Comment avez-vous préparé votre rôle et quels ont été les défis les plus importants à relever pour incarner ce personnage? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment réfléchi aux difficultés. Je ne réfléchis toujours jamais de cette façon-là. Je me pose plutôt des questions sur les raisons de la décadence du monde et pourquoi nous sommes sur cette planète. Je suis un petit peu égoïste par nature, donc le film voulait dire quelque chose pour moi. Et donc, vous êtes parti où, là? C'est ma réponse qui ne vous convient pas, vous partez? J'ai peut-être beaucoup de choses ennuyeuses à dire. Donc, à l'âge de 13 ans, non, c'est une histoire intéressante. Ici, quand on arrive sur le plateau, on n'avait pas les idées très claires sur ce qu'il fallait faire. Il faut avoir confiance en Terry Gilliam et dans les autres acteurs. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. Personne n'a ri d'ailleurs à ma plaisanterie. Je me souviens plus ce que j'allais dire. Donc, en fait, j'ai lu le livre. Indiana, we don't do that. Mostly cows. This is going bad really quickly. What was your question again? Vous pouvez répéter votre question, je m'en souviens plus. Ah oui, comment je me suis préparé? Ah ben, j'ai répondu déjà. On essaie de se préparer le moins possible. C'est peut-être ça ma réponse. I can't hear you. I can you do sign language? Okay. Je ne vous entends pas. Vous pouvez me poser votre question en langage du signe. Une question de Hongrie, Monsieur Gilliam. De quelle façon est-ce que l'histoire a changé au cours des 25 dernières années? Si vous aviez fait ce film plus tôt, aurait-il été différent? Et le personnage principal est un réalisateur, donc est-ce un peu un regard ironique et cynique d'Hollywood et de l'industrie du cinéma? La réponse est non, semble-t-il. Les choses ont beaucoup changé dans ce film. Le film s'est amendé au fil des années. Tony prend du temps. Il n'avait pas une bonne orthographe.
Luckily, I brought my own audience here. Heureusement, j'ai mon public ici avec moi. Ils ont été payés pour venir ici aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ça par amour, mais ils ne m'ont pas pris cher. En fait, c'est un type qui prend un coup sur la tête, il fait des publicités, et il se retrouve comme projeté dans le passé avec le vrai Don Quichotte. Je pense qu'on pourrait faire cela aussi dans le monde moderne avec des lignes téléphoniques. Ça n'aurait eu aucune importance. Et en fait, c'est Tony qui prétend être un des co-scénaristes, Tony Grisoni. Tu avais fait un film il y a 10 ans plus tôt. Oui, je ne me souviens plus de l'idée exactement, mais je me souviens qu'on avait réfléchi un peu à ces questions. Et Toby aurait pu venir de quelque part, il n'arrive pas de nulle part. Et dès qu'on a commencé à parler de cette idée, il a essayé de faire un film sur Don Quichotte lorsqu'il était jeune et idéaliste. Et puis il s'est un peu perdu dans le projet, et d'un seul coup ça avait du sens, parce que cette histoire-là le rattrapait. L'idée de l'inspiration également est présente dans ce village. Il n'y a même pas une avenue. Toby est une sorte de touriste. Il peut jouer avec les espoirs des gens et leurs attentes. Et ce village également est inspirant, mais il n'y a même pas d'avenue. Alors, est-ce qu'il est responsable de l'inspiration des autres? Enfin, ce genre de questions, ce genre de thèmes qui sont soulevés et qui n'ont pas de réponse. Pour moi, une des scènes de Toby, c'est que c'est un homme de talent qui choisit la voie qui lui apportait le plus d'argent. Il finit par vendre des produits de consommation courante et en fait, il doit en payer le prix et il est puni. Et il finit par être un être humain décent. Et il a une fille à ses côtés qui joue Sancho Panza. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Yes, this is on. Hi, Brian Johnson from Maclean's magazine in Canada. Brian Johnson, Canada. Je pense que vous avez déjà été assez puni jusqu'à maintenant avec ce film. Donc, au fil des années, toute cette malédiction qui tourne autour de ce film, est-ce que enfin cette malédiction a disparu? Et puis, pouvez-vous nous parler du problème auprès des tribunaux avec Paolo Branco et de sa plainte? Est-ce que vous pensez que le film va être distribué par Limbo? Non, il va être dans les salles partout en France, je crois, dans 2 heures. C'est aussi très dangereux quand on crée quelque chose, qu'on crée des personnages. Et Cervantes a aussi créé ces personnages. Et d'un seul coup, on retrouve les personnages dans la vie réelle. Il est remarquable de voir que ce film reflète la réalité. Merci, Paolo, d'avoir joué ce rôle avec intensité. Et sur le plan international, quelle en sera la distribution? Oui, ça marche bien. Le film va sortir dans de très nombreux pays bientôt. Tout va bien. Et s'il n'y a pas des millions de spectateurs, ce sera la faute du public. Roberto Lofrigio, from Italy. Question d'Italie. Talking Media. I just stolen my question about the distribution. I think on vient de poser la question que je voulais poser sur la distribution. Welcome, you know the New York. My question is for Jonathan Pryce. Une question pour Jonathan Pryce. Car il est venu très souvent en Italie. Quelle a été votre expérience de tourner avec Terry? Il a dit que vous étiez un acteur qui ne prend pas cher. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi de travailler avec Terry Gilliam? Je ne sais pas bien comment répondre à cette question. En tout cas, y répondre facilement. Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. Vous connaissez bien sûr le film Brésil.
Et à l'époque, pour moi, comme acteur, j'avais déjà travaillé pour des films télévisés. Et moins j'en faisais, mieux c'était. Donc avant chaque prise, on mettait une sorte de voile devant mon visage, on me montrait des images d'autres personnes qui réagissaient à ce que je faisais. Voilà, c'est cela qui compte quand on est acteur. En faire moins, ça donne plus de résultats. Et ensuite, ça c'était avant de travailler avec Terry. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui, avec Terry, en faire plus, ça apporte plus. Et j'ai pu mettre plus d'énergie dans mon travail. J'ai travaillé avec lui comme si j'étais sur une scène de théâtre pour Brésil. Je crois qu'on m'a filmé de plus près. Avec une 50 mm, et puis pour le reste, c'était un grand angle. Tout le corps était filmé, ça a été une excellente expérience. Il vous donne beaucoup de liberté, et ça a toujours été le cas. Ce qu'il y a bien avec Terry, c'est qu'il ne prétend pas connaître le travail des acteurs, donc il ne va pas venir vous embêter avec des suggestions. Non, c'est très bonne condition de travail. Sur le plateau, il y a beaucoup d'énergie. C'est toujours inspirant, c'est toujours créatif et souvent également plutôt fatigant et pénible. C'est pourquoi le mieux, c'est d'être réalisateur, parce qu'on a toujours quelque chose à faire, alors que les acteurs doivent attendre des heures et des heures pour passer 2 secondes à l'écran. C'est très difficile d'être acteur dans le cinéma. Moi, j'ai toujours pensé que c'est très difficile. Je ne comprends pas comment vous faites. Non, c'est un travail fantastique, il faut me croire. On parcourt le monde. Et on a beaucoup de temps pour lire de bons livres. Hello, everybody. Miss Ushitaha from Daily Newspaper. I'm here. Je travaille pour un quotidien. Je viens d'Algérie. Désolé qu'on ait mis Cervantes en prison. Oui, il y a passé quelque temps. Il était touriste en Algérie, je crois. Peut-être sans ça, vous n'auriez pas fait ce film. Alors, une question. J'aimerais féliciter tout le monde. Vous avez passé plus de 20 ans à préparer ce film. Ça fait déjà des années que j'attends ce film. Nous avons eu 2 heures de plaisir. Merci à tous. Pensez-vous qu'on ait besoin de davantage de Don Quichotte dans le monde d'aujourd'hui? Moi, j'en suis convaincu, parce que on a besoin de ce qui est crédible, ce qui est inspirant, ce qui est réel. Dans les super-héros, on passe tellement de temps à des activités de super-héros un peu juvéniles, qui a des pouvoirs énormes, alors qu'en réalité, l'humanité sans tout cela est beaucoup plus intéressante. Et Don Quichotte fait partie de ces personnages très inspirants. C'est pas que toujours les pouvoirs extraordinaires sont de mauvaises choses. Ça n'a pas été dans les films Marvel, donc ça va. Lui, il est normal. Hi, Terry. Where are you? Yeah, I'm here. Oh, hello. I'm Ricardo from HBO, also from Brazil, the country, not the. HBO, je viens du Brésil, du pays, pas du film. Et ma question est que maintenant, beaucoup de films ont des numéros 2, des numéros 3, etc. Vous avez fait un film brillant. Maintenant, tout est facile et bon marché de faire des films. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour avoir une trilogie Don Quichotte? Non, c'est terminé. J'aime pas les deuxième ou troisième films. Est-ce que vous avez de l'argent pour qu'on fasse ces films? Je pense qu'on pourrait changer le nom de Don Quichotte. Oh,
Oh, not a popular idea, I see. Obviously. C'est pas une idée qui plaît beaucoup ici. On lance de bonnes idées, c'est à vous de décider si on doit la poursuivre, cette idée, ou pas. Enfin, celle-là, on la laisse tomber. Oui, moi, bonjour. J'aimerais poser une question aux comédiens qui n'ont pas encore parlé, de savoir quel a été vraiment le plus grand plaisir de travailler avec Terry Gilliam. Est-ce qu'ils ont rêvé? Est-ce que ça a été quelque chose pour eux de très représentatif pour avoir travaillé avec un réalisateur comme ça, quoi, pour leur future profession? Alors, the gentleman wants to know what was your greatest pleasure working with Terry. How was it? You're asking me that? No, not you. Oh. Not you. No, the actors. But you can answer, Terry, if you want, also. Yes. Olga's got the answer. For me, Olga, for me, I had to tell that when he called me. En ce qui me concerne, il m'a appelé il y a déjà de nombreuses années. And I j'étais occupé. Big pleasure. I et pour moi, c'était un grand plaisir. Je lui ai dit, tu veux m'inviter à ce repas et je n'ai le droit qu'aux biscuits apéritifs. Mais j'ai adoré être dans ce film. J'ai une grande admiration pour Terry Gilliam. C'est un très grand maître. C'est le maître des maîtres. Et c'était une expérience remarquable. En fait, je le suppliais pour avoir quelques lignes de plus dans ce film. Et je suis très heureux d'être ici avec lui. I absolutely love working with Terry, and but the thing is, it's not only. J'adore vraiment travailler avec Terry. J'adore ses films, mais lorsque je l'ai rencontré, lui, lorsqu'on rencontrait la personne de Terry, je suis tombée amoureuse du personnage. C'est la personne la plus charmante, intelligente, honnête. Il est très très honnête, et c'est rare dans notre profession. Il n'est pas prétentieux, il est lui-même. Et j'apprécie beaucoup cette qualité. Et sur le plateau, il est plein de créativité, il nous laisse beaucoup de liberté. Je n'ai jamais rencontré un réalisateur qui rit autant. On a passé notre temps à rire, si bien qu'après les scènes, eh bien, j'entendais rire. Alors moi, je me disais, est-ce qu'il y a un problème? Ce que j'ai fait, ça le fait rire. Mais après chaque prise, je l'entendais rire et ça me faisait peur. Mais il riait après chaque prise et ça nous inspire et il veut donner sans cesse au film. Et merci Terry de m'avoir donné la possibilité de jouer une garce aussi folle, peut-être la garce la plus garce de tout ce que j'ai pu jouer dans ma carrière, et ça m'a beaucoup amusé. Merci. Je riais beaucoup à la fin parce que je n'avais aucune idée du talent d'Olga. On sait que c'est une très grande actrice, mais elle est incroyablement amusante et sur l'écran, elle est merveilleuse. Lui, il le sait, à côté de moi. Adam, it's your turn. Well, no. Stellan. No, Adam. Adam. Working with. You're here to praise me. Yeah. Tu es là pour me faire des compliments. Great. It's completely unique in to itself. C'était tout à fait unique comme expérience le dernier jour du tournage. On était là, un peu décontracté. Et il y avait un grand géant à côté. Terry Gilliam crée tout un monde, toute une atmosphère. C'est pas qu'il est différent sur le plateau que dans la vie. Il est enthousiaste à tout moment. Et il semble qu'il joue les scènes avec vous depuis son moniteur. Il ressent les scènes physiquement. Et on ne peut pas s'empêcher d'absorber tout cela et de retransmettre l'énergie sur le plateau. Et ça n'arrête jamais, même lorsqu'on est à l'hôtel, à la fin de la journée. Ça crée une atmosphère dans laquelle on se sent vraiment libre d'essayer beaucoup de choses. Pour moi, ça a été un plaisir de travailler avec lui, et je crois qu'il y a certains acteurs, beaucoup d'acteurs qui souhaiteraient travailler avec un tel maître. Terry Gilliam est un maître. J'ai adoré de travailler avec lui, et dès qu'on s'est rencontrés, j'ai ressenti qu'il est énorme.
et que nous allions faire un grand film. C'est un plaisir de travailler avec lui, mais ça a été un plaisir de travailler avec l'ensemble de l'équipe, et Terry Gilliam est un véritable maître. Avant de mourir, il fallait que j'aie cette expérience, et c'est fait. Je crois que ce qu'on voudrait dire, c'est que il est extraordinaire. Et en ce qui concerne le travail, je n'avais pas du tout l'impression de travailler. J'avais l'impression de faire partie d'une bande de gamins qui s'amusaient. Et finalement, c'est comme cela qu'on aimerait toujours vivre sa vie. Jordi. Big chance. Yeah. Fuck it up. Get it right. Ça, c'est le moment de la chance de ta vie. Imaginez de travailler avec un type qui a l'habitude d'être cruel, qui a beaucoup d'imagination, qui aime bien le chaos organisé, mais qui aime l'adrénaline. Ça, ça a été mon expérience lorsque j'ai travaillé avec Terry Gilliam, un type qui a besoin d'adrénaline. Et puis, un certain jour, il a commencé à pleuvoir à Tomar, et c'est le seul moment où j'ai vu Terry Gilliam à 5 heures du matin, assez préoccupé. Il était vraiment cool. Tu étais cool. Oui, tu étais vraiment soucieux. Et c'est le seul moment où je l'ai vu avec un petit peu moins d'adrénaline. Si on ajoute à tout cela ces fichus acteurs qui sont à mes côtés, sauf Jonathan, alors l'expérience a été fantastique et pleine d'adrénaline. Oui, bah, je ne sais pas, I speak in French, it's better. I prefer you don't understand exactly what I say. Now you can say I think it's better. Je vais parler français, comme ça tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Non, dans tous les films, la personnalité du réalisateur, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et dans ces cas, je crois qu'on tombe sur non seulement un maître, un génie, mais quelqu'un qui a une... Enfin, ce qu'on peut dire, une putain d'énergie. Une vraiment putain d'énergie qui est très contagieuse. Un esprit de jeu, d'inspiration, toujours créatif sur le tournage, une espèce de liberté. Enfin, tu as l'impression de rencontrer quelqu'un qui fait du cirque, qui est là pour le plaisir de partager. Et pour nous, juste de faire partie de cette aventure, c'est déjà une merveille. Une merveille. Except Jonathan. Sauf Jonathan. What about you, Jonathan? Et Jonathan Price, you, Jonathan? Qu'en est-il de vous? Qu'en pensez-vous? Non, mais je me suis déjà exprimé. Non, il faut lui envoyer des fleurs. Praise. Oui, il faut envoyer des fleurs à Terry. Non. Une fois, ça ne suffit pas. Non, je n'ai pas répété plus. Je remercie Tony d'avoir rédigé le script pour tous les acteurs. On a répété 3 semaines pour ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et enfin, en dernier, mais pas la moins importante, Johanna. Non, la question est, qu'est-ce qui vous a semblé le plus agréable en travaillant avec Terry? And be a nice girl. She really no, that was not. The most pleasure. Yeah, that's what the gentleman asked. Oh, yeah. It was the most, you know, satisfying experience. Working. Quelle était votre expérience la plus Terry, agréable? Le fait que Terry Gilliam vous laisse beaucoup de liberté et vous fait prendre part à toute la partie. Créatrice. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Il m'a toujours mise à l'aise. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être différent de l'ensemble de l'équipe. Je pouvais donner mon opinion. J'ai toujours pu poser des questions sur le personnage, mon personnage d'Angelica. Ça, c'est le plus important. Terry, quand verrons-nous un autre film de Terry Gilliam? Je n'en sais rien. Je n'ai rien de prévu. C'est tellement triste après avoir travaillé aussi longtemps de se retrouver sans rien, aucun avenir. Je n'ai plus que la mort devant moi à penser. Merci beaucoup à vous tous.